qu'on voit sur Tipeee. Vas-y, bah, abonnez à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires. Et je suis également sur YouTube. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de cet événement marquant qui a marqué plus d'une génération et qui a fait secouer le monde. On va parler bien sûr du mardi 11 septembre, les attentats les plus meurtriers. Alors dans cette vidéo je ne vais pas donner mon opinion sur complot, pas complot, ou différentes théories du complot. Si vous voulez mon avis, laissez-moi des commentaires dans cette vidéo et puis je ferai une petite vidéo où je donne mon avis. Mais c'est pas le sujet. On va prendre cet événement en comparaison avec un effondrement économique. Et bien que le mot effondrement soit un petit peu soit un mauvais jeu de mots, mais on va mettre ça en parallèle. Alors tout d'abord, premièrement, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, un effondrement économique est impossible. Tout le moment, parce que tout le monde pense que tout est acquis et il ne fait rien nous arriver. Sauf que nous, en tant qu'humains, on peut essayer de contrôler, on peut essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas de guerre. Bien que malheureusement, ça fait des millions d'années, entre guillemets, que l'homme fait des guerres, bon, du jour au lendemain, je pense pas que ça soit aussi facile. Mais on a le droit de faire le bien. Mais la nature, elle, si un joueur veut nous expulser, nous licencier, il n'y a pas de préavis. Et on ne vous donne pas son avis, elle fera ce qu'elle veut. Donc, déjà, d'une, voilà, on n'est pas aussi irrité. Il peut arriver n'importe quoi, comme catastrophe naturelle, ou l'homme subit. Mais à ce moment-là, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, c'est juste pour dire qu'on est à la veille de rien. Pour en revenir à 11 septembre, je vais d'abord vous expliquer deux faits marquants qui me sont arrivés ce jour-là. Je vais aller très vite, je vais essayer de mettre très vite. Alors tout d'abord, le premier, c'est en cours d'histoire, à 13h45 jusqu'à 16h. Et ce jour-là, la prof nous demande qu'est-ce que c'est l'histoire. Et nous savons, on ne savait pas trop quoi répondre. Et elle nous répond, l'histoire c'est un événement marquant. Une heure après, premier crash de l'avion. Bon, mais ça on savait pas encore. Ensuite, je suis parti, quand je suis rentré, de l'école à la maison, je suis d'abord allé acheter un jeu vidéo. Et j'avais acheté un jeu qui s'appelait Fear Effect. Fear Effect, c'est en anglais, pour ceux qui n'ont pas de grande notion en anglais, Fear Effect, c'est l'effet de la peur.
Voilà, donc ça c'est des choses qui me sont arrivées le mardi 11 septembre. Et quand je suis rentré, j'ai vu ces tours en feu. Et je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est l'année d'après où j'avais acheté un magazine et je voyais ces photos-là, les gens qui sautaient dans le vide, les crashs d'avion, surtout malheureusement, enfin. Du fait que les caméras étaient braquées sur la tour nord, et en premier, il y a eu la vidéo quand le deuxième avion vient et la tour sud, ça fait complètement. C'est des images qui ont. Et à partir de ce jour-là, en 2002, où j'ai réalisé la chose, et j'ai dit ça. Ça va être un impact terrifiant sur le monde actuel. Aujourd'hui, on va regarder un film ou une série, on parle souvent du 11 septembre. Et il y a un avant, il y a un après 11 septembre. Voilà, ça c'est pour la petite intro. Bon, on va comparer le 11 septembre à l'effondrement économique. Alors, pour revenir à ce que je disais, le fait que personne ne pense que ça va arriver, le 11 septembre est arrivé. Personne ne va penser que deux avions iraient se planter, se cracher dans ces tours. Personne ne va penser que 19 milliards de dollars peuvent passer les sécurités des aéroports et prendre commande des avions et piloter les avions pour les faire cracher dans les tours. Ça, c'est quelque chose que personne n'aurait pensé pour en s'arriver. Donc, me dire que l'effondrement économique, ça n'arrivera pas, moi je ne suis pas d'accord. D'autant plus que c'est souvent quand les gens, à ce moment-là, pas mal de gens disaient je ne pensais pas que ça allait arriver parce que je pensais qu'on était en sécurité. On n'est pas en sécurité. L'armée de mer, l'armée ne viendra pas nous sauver. Un jour, il y a une catastrophe mondiale, globale, qui serait nous mettre à terre. Personne n'aurait pensé que ça arriverait, et pourtant c'est arrivé. Et moi, je prends cette date, le barbarisme, le terrorisme, pour juste me dire qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on arrive encore à faire des choses comme ça. Et moi, c'est ce qui me fait dire qu'on n'en sortira pas indemne. Personne n'aurait pensé que ça arrivait. Et pourtant. Deuxième chose, c'est que l'être humain, ce jour-là, est complètement dépassé. Complètement dépassé. Au niveau pour éteindre le feu, au niveau pour soutenir les gens, la police et tout ça. Alors attention, je dénigre pas. Il y a eu des héros. Il y en a. Il y a des gens qui ont réussi à sauver d'autres personnes, qui sont restés ou qui ont survécu. Les pompiers ce jour-là ont fait un travail magnifique. Ils ont tout donné pour essayer de faire au maximum. Mais encore une fois, avoir un feu à cette hauteur, n'ayant pas moyen de prendre les ascenseurs, il faut les monter les escaliers. Et puis vous les montez pas comme quand vous rentrez du travail. Là ils avaient entre 20 et 25 kilos, je sais pas, je ne suis pas pompier, mais il y a un certain poids. Et monter 104 étages à pied pour éteindre un feu, il faut y être en haut et après il faut éteindre le feu. Surtout que la deuxième tour a même pas brûlé pendant une heure et elle s'est effondrée avant. Tandis que la deuxième, la première tour qui a été touchée par un avion a mis presque 2 heures avant de s'effondrer. Donc à ce moment-là, je pense que au moment où la deuxième tour s'effondre,
les gens se disent, mais la première va pas tarder. Est-ce qu'on a encore une heure? Est-ce qu'on a encore une demi-heure? Est-ce qu'on a encore 5 minutes? Bon, là déjà, il y a ça, il y a une course contre la montre. Et personne ne s'accordait non plus à ce casse la gueule. Alors des grandes théories, j'ai trouvé sur les tours, sur l'effondrement. Alors moi j'étais assez sceptique quand même, mais je ferai ça dans une autre vidéo quand même. Donc il y a eu des héros, il y a eu des gens qui ont sauvé, qui ont survécu, ils ont fait leur maximum, mais pourtant l'être humain est complètement dépassé. Quand vous regardez, je vous donne, maintenant ils vont sortir un nouveau film là, qui va sortir, qui s'appelle 11 septembre 2019. Ça parle des gens qui vont être coincés dans les ascenseurs. Et alors déjà je trouve que faire des films sur ça, sur au niveau américain, c'est les Américains qui font ça, je trouve ça très malsain de faire des films. Raconter une histoire de gens qui ont été dans les tours, ok. Il faut raconter, faut dire. Mais en faire des films, voilà. Et ce que je voulais dire par là, c'est montrez une fois ça à vos gamins. Vous montrez les films et après vous montrez la réalité et les gamins vont être à voir ce sursaut de dire ah, effectivement ouais c'est pas que la fiction, c'est réel. Bon, le dépassement de l'être humain, on peut pas faire grand chose à ce niveau-là. Et au jour il y a un effondrement, les gens qui vont être préparés à ça vont y faire face. Mais il y aura aussi, je peux me dire, putain merde, effectivement, on est là, on y est, on s'est préparé, maintenant, comment on va supporter le fait que ça soit réel. Parce que ça aussi, je pense que au niveau mental, ce jour-là, ça sera très, très difficile. Quoi pour tout le monde, mais me dire que je me suis préparé pendant 15 ans, et puis la 16e année de ma préparation, boum, on y est. Ensuite, il y a eu l'effondrement du tour. Avec les personnes dedans. Avec les milliers de gens dedans. Et encore une fois là, la structure n'a pas tenu. La gravité a fait, ça on n'y peut rien. Mais l'effondrement pour moi, c'est juste mettre en accord avec le fait que l'homme peut construire plein de choses. Il peut prendre plein de choses pour acquis et pourtant ça peut quand même s'effondrer. Alors, peut-être dans cette vidéo, j'utilise le 11 septembre pour comparer à un éventuel effondrement économique, mais il faut se rappeler tous les jours que il peut arriver n'importe quoi. Ce jour-là, personne n'aurait pensé qu'un truc comme ça puisse arriver, et pourtant ça arrivait. De prendre ma vidéo, de prendre cet attentat-là et d'en faire une vidéo, c'est aussi pour partager un petit peu ce que j'ai depuis que c'est arrivé, depuis ma première anniversaire, où je regarde ces vidéos-là, je mets à chaque fois. Fin août et septembre, je regarde ces vidéos et ça me fait toujours froid dans le dos. Ça m'a vachement marqué. Et si je voulais faire ces vidéos aussi, c'est aussi pour faire un petit hommage à ma façon. Mais pas forcément que pour le 11 septembre, mais pour l'ensemble des attentats. Et puis l'homme a failli le soutenir. Et donc, je suis assez triste de voir des choses comme ça. Quand vous voyez les images, c'est waouh, c'est. On a l'impression que c'est tiré d'un film. Et non, c'est la réalité. Ensuite, je vais quand même donner mon point de vue sur un truc, un événement qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'effectivement, j'ai parlé des deux tours, mais il y a eu 4 avions détournés ce jour-là. Et un troisième immeuble qui s'est effondré ce jour-là. À 17h20. La plupart des personnes ne le savent pas ou n'ont jamais eu l'information. C'est juste que c'est le bâtiment 7,
du Rolling Stone Center qui s'effondrait à 17h20 pour cause incendie. Quand vous voyez les images, comparez-les aux images de l'émolition contrôlée, vous en faites votre conclusion. Moi personnellement, je ne crois pas qu'un immeuble qui s'effondrait à cause du feu ou de la chaleur ou n'importe quoi. Et puis c'est un feu qui aurait pu être éteint largement. Ce n'est pas un immeuble aussi grand. Et quand vous voyez la manière dont les deux tours s'effondrent et que la troisième tour s'effondre, faites votre avis. Moi je ne crois pas en la SE l'incendie. Chacun croit en ce qu'il veut et chacun fait son petit bonhomme de chemin. Le fait est que ce jour-là, personne pensait que ça allait arriver. Que deuxièmement, l'être humain est complètement dépassé par les événements. Que troisièmement, l'effondrement, le tour a bien eu. Et qu'un effondrement possible, un effondrement économique peut arriver. Je ne dis pas que ça va, je pense que ça va arriver parce que je ne pense pas qu'on puisse aller vers. Vers le bonheur. Je comprends pas, je ne sais pas. Vous avez peut-être des difficultés financières chaque mois. Et chaque mois, c'est un jour en moins. Je ne comprends pas que les gens ils peuvent continuer à vivre comme ça. Ensuite, moi c'est mon point de vue. Moi c'est juste que si je me prépare, c'est parce que je vois les choses. Si je me prépare, c'est parce que. Voilà. Il faut, quand vous laissez votre viande sur votre barbecue et que ça commence à sentir ramé, bah c'est que ça va pas être bon. Donc, vous enlevez votre viande de barbecue. Métaphore un peu spéciale, mais je pense que ça résume bien la situation. Voilà, après, je vais pas rentrer dans plus de détails, c'est juste pour dire que voilà, le 11 septembre c'est arrivé. Et aujourd'hui, on parle souvent de après 11 septembre. Et toutes ces guerres, toutes ces mauvaises choses que l'être humain fait, on ne va pas s'arranger. Et je pense qu'il faudra bien un jour être franc avec soi-même et pas vivre comme le déni. Je pense pas qu'on puisse continuer comme ça. Voilà. C'est un petit peu malsain de ma part de prendre les événements du 11 septembre pour peut-être valider un éventuel effondrement économique, mais et puis après il n'y a pas eu le 11 septembre, il y a eu le Bataclan, il y a eu d'autres attentats. C'est vrai que les tours le 11 septembre étaient particulièrement waouh, faire écraser les avions dans les tours comme ça, c'est. Digne d'un film de Michael Bay, enfin voilà, c'est assez violent visuellement. Quand on parle, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a eu 3000 morts, on est d'accord, et je respecte leur mémoire. Mais visuellement, ça, wow, ça en jette. C'est ça que l'être humain est capable, et surtout les fanatiques de la religion. Et ça, j'ai un gros problème avec la religion en général. Mais on va pas en parler parce que. C'est pas un sujet à parler avec moi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo a été claire. Je ne vais pas faire trop long non plus parce que bon, c'est quand même un événement dramatique. Et je ne vais pas non plus en faire une vidéo plus carique à fond. C'est juste pour dire voilà, ça m'a vachement marqué. Et qu'un événement comme ça, si on n'y fait pas gaffe, ça peut encore arriver. Moi je vous dis à la prochaine mes amis. Merci à tous, merci pour votre soutien. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.